Il est très important pour les pays membres de soutenir la création du CM2I, du complexe mondial Interpol pour l'innovation, parce qu'il s'agit d'un projet majeur pour l'organisation. C'est un projet qui s'adressera à la criminalité du futur et qui permettra de fournir aux pays membres des outils pour mieux combattre cette criminalité qui sera commise par le biais de l'Internet. Les pays membres peuvent contribuer au succès du CM2I en s'impliquant activement dans toutes les phases de création de ce projet, de la phase de conception dans ce qui concerne les structures et les fonctions du CM2I, comme dans la phase de mise en application et de fonctionnement, en envoyant du personnel et en faisant leur possible pour soutenir toutes les actions entreprises par le CM2I. Le groupe de travail CM2I est un outil important pour l'organisation dans la mise en place du complexe, parce que c'est la voix des pays membres, c'est une représentation active des pays membres qui se sentent les plus concernés par le projet et qui ont entrepris de participer à la conceptualisation et à la mise en fonctionnement de ce complexe et à fournir toute l'expertise qui peut être nécessaire dans cet objectif. L'impact du complexe mondial pour l'innovation sur la coopération policière internationale sera important, tant au niveau de la région Asie qui accueillera donc le complexe à Singapour, qu'au niveau international mondial, parce qu'il centralisera en son sein une expertise extrêmement importante dans la lutte contre la cybercriminalité, mais aussi dans le développement des activités régionales au sein de la région Asie-Sud-Pacifique, et bien sûr dans tout ce qui concerne la formation et l'assistance technique qui pourra être fournie au pays. Je pense qu'en développant ce projet, Interpol se positionne vraiment au niveau international comme l'organisation leader dans la coopération internationale policière et dans le soutien apporté aux polices des pays membres.